bon, passez pour un bon. Passez chercher où vous consultez nous, parce que c'est la donne. Et c'est là, le monde entier a regardé nous tous. Jusqu'à présent, il y a déjà tout côté pour continuer devant nous. En profiter, pendant que l'on va regarder. En saisir chance là, en faire ça bien, en lancer la main dans la main, vous faites ça bien vous faire. C'est pour ça, nous pas besoin de parler en ville. Nous mettons des jours pour nous toutes les bagailles qui viennent pour nous à l'eau, l'électricité, l'eau potable, l'école, l'hôpital, marché public, bâtiment public et l'atelier écrasé dans la catastrophe. Mais n'a rien pour nous faire les documents fins montés, net, nous combler. Pour que nous avons utilisé tout le travail que nous avons fait depuis quelques semaines. Mesdames, Messieurs, il importe d'étayer le cadre de cet exercice pour faire comprendre qu'il ne s'agira pas d'une rencontre de plus dans un contexte assez difficile encore pour la population. Contexte pour le relogement de certaines familles et la disponibilité du bâtiment pour la récupérer pour la reprise des écoles. Le 4 octobre constitue la phase intermédiaire de cette crise. C'est un problème pressant et urgent que le gouvernement prend à cœur et auquel il essaie, avec l'appui des partenaires internationaux, d'apporter des solutions de douane. Les cadres du FDCE ainsi que les autres ministères sont à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines. Nous les remercions. Et leur bureau de travail ne fait que commencer. À nos amis et partenaires techniques et financiers, nous leur disons que leur appui est de plus en plus indispensable pour la réussite de ce processus jusqu'à la mobilisation des ressources et l'implémentation des actions au profit des populations. Nous remercions particulièrement la population suisse et le PNUD pour leur support à la tenue des assises départementales. Sur ce, je déclare ouverte la première journée des ateliers porteurs de la réalisation de l'exercice du BDNA dans le département sud et de toute la péninsule sud. Je vous en remercie. Pour résultat évaluation en nous, venir était là. Parce que jusqu'à présent, tendance, c'est centraliser toute bagaille au niveau de l'Ouest. On a continué la bataille. J'ai mis ce palais là, nous faisons commencer les batailles, et puis gros bataille nous allons faire, c'est la bataille de décentralisation que le magistrat a mené. Tout pendant que la décentralisation n'est pas faite, tout pendant que le budget national là, sud là, par aux gens chita pour planifier partie par le gré dans le budget, pour prendre qui j'en a orienté, pour prendre qui va l'investir, n'a toujours chita concentré. Tremblement de terre, a toujours passé, nous pas même bon entrepôt. Qui a des réserves pour nous-mêmes, c'est nous la police servir. Parce que c'est le moment opportun pour briller ça avec les politiques, j'aimerais faire là, pour nous garder l'intérêt des bâtiments sud là, pour nous garder l'intérêt des bâtiments du sud là, parce que l'investissement n'a pas fait sans que, par la paix, sans que par la sécurité, tant que madame la soutien là. Sécurité à nous gagner là, la bataille, tant bien que mal, pour arriver là, mais pour sécurité ça a arrêté. Il faut que l'investissement, il faut que la production, et si pas qu'il y a deux bagages à l'eau, nous ne pouvons pas marcher. Et l'université, moi je souhaitais que, parce que c'est rêve pas nous, pour que l'université a intégré dans toute activité. Parce que c'est l'université a vraiment qui vous bat la société, ça le besoin. C'est un atelier de deux jours que le ministère de la Planification a réalisé dans le sud, dans le cadre séisme. 14 août 2021. Donc nous connaissons PDNA, c'est Post Disaster Needs Assessment, ça veut dire c'est évaluation dommage avec besoin post-catastrophe, comme c'est un séisme, ça aurait le tremblement de terre là, que nous sommes, par lui-même que nous sommes frappés. Donc activité ça, deux jours ça, c'est atelier qui est fait avec un ensemble d'acteurs dans le département sud là, direction départementale, coordination départementale, agence internationale, ONG, société civile là. Donc c'est presse là, université là, c'est ensemble d'acteurs ça, qui a réfléchi ensemble sur dégâts
qui était enregistré dans le département sud là, comment vous comprendre, comment vous vivre la catastrophe ça, et ensemble pour regarder comment vous êtes capable de réfléchir sur Ndakadi action ou bien sur projet ou bien sur programme ou bien du secteur même sur yo que y a bralage. Donc c'est dans ce sens ça te gagné Ndakadi ministre planification monsieur Dieusel Simon Dera qui était là te gagné directeur aménagement du territoire là qui était là avec toute l'autre équipe. Nous gagné délégation départementale là tout qui ça c'était partie prenante côté que j'en dis et à travers deux journées ça, eh ben, il y a une brasserie qui fait, il y a une discussion qui mène, il y a un atelier de travail qui fait pendant deux jours sur question production, sur infrastructure, sur question sociale. J'aime te dire tout à l'heure, regardez qui sont capables de prioriser le secteur. Dans 6 mois qui viennent, dans 12 mois qui viennent, dans 24 prochains mois qui a privé. Donc c'est ainsi que j'en dis. Activité ça, l'inscrit dans une phase de gestion catastrophe. Première phase, c'est la phase d'Akadi et urgence là. Côté, nous sommes pas son mois là, le gouvernement prolonge le bon l'autre mois. Mais qu'on y a phase de relèvement avec phase de reconstruction, il n'y a pas qu'à faire n'importe qui gens, il faut acteur au niveau départemental, il faut que le territoire là, même qui est frappé, il est vraiment impliqué dans le processus ça, de planification ça, qui va mener nous vers des actions, relèvement, reconstruction et qui vont mener sur route d'Akadi développement. Donc c'est ça que t'as fait là. Ça, mais ça qu'il faut faire, pour aller après travail ça fin fait dans le sud, non avec grandance, pour aller venir gagner pour là, on l'autre travail qui va le faire dans le sud encore. Côté on va venir confronter, Ndakadi ensemble d'informations que eux même, ensemble de données qui va le transformer en informations que eux jeunes dans chaque département qui lié à département. Ensuite, par un document qui va sortir, côté nous va regarder. Mais qui ça pour faire, mais qui est action pour mener, maintenant qui secteur et mais où ça implique. Parce qu'en réalité, tremblement de terre là, le fin passé, l'équité des dommages, l'équité de dégâts, côté eh ben, dommages ça, perte ça, nous même évaluer à un coût qu'on a si nous besoin. Reconstruire le département, sinon perspective pour nous être plus résilient, eh ben, qu'on a faut gagner de couteaux qui nous affecté à ensemble d'actions qui vous faites dans chaque secteur. Donc, comme on dit que nous passons deux jours dans l'atelier pour nous traiter de travail sur la question de plan pour reconstruire et péninsule sud. Donc, vous connaissez, d'habitude, tout bagaille qu'on centralise Port-au-Prince. C'est la raison d'être là pour nous faire une plaidoirie pour que nous puissions décentraliser tout bagaille qu'on fait Port-au-Prince. Par exemple, moi personnellement, moi pour pour ça. Yo dit yo formé 200 ingénieurs pour venir évaluer maison dans le département. Là regardez nous même dans commune, nous avons des ressources humaines, nous avons des ingénieurs. Donc yo pas même relo pour travailler même deux ingénieurs pour ta venir faire formation et pour ta prendre formation et puis pour ta venir former l'autre ingénieur et puis pour aller dans mon yo. Mais lorsque y a des ressources humaines qui sont de l'autre côté, alors que le département a des ressources humaines, c'est comment le relèvement économique va le faire. Donc c'est à partir de ça que nous avons gardé pour nous voir que ça qui est passé en 2010, que pour que l'exemple qui a été gagné en 2010 là, pour ne pas venir répéter dans le département sud, parce que Jean-Noël nous avons gardé là, il que le département sud presque dormi dehors. Donc, l'immander, un coup d'à-coude, demander des yeux ouverts pour que nous-mêmes qui sommes ensuite là pour nous réclamer ça pour nous. Pour nous réclamer ça pour nous, c'est tout le monde qui est dans le département, qui vous font seul, qui vous dit qu'il faut bagailler décentraliser, il faut décision pour acheter à Port-au-Prince, il faut décision de prendre dans le département, il faut décision de prendre dans la commune pour être capable d'alléger la souffrance du monde qui vit là. Attends-moi, c'est ça qu'on dit comme si, comme proposition, yo, que vient dans la réalité. Donc, après étant donné que le pouvoir central là, c'est lui-même, dans un premier plan, qui a décidé, mais nous dit pas décider sans nous. Parce que c'est nous qui sommes proche population. Et proximité, c'est nous qui gagnons. C'est AZEC, c'est KAZEC, c'est Magistrat, c'est Délégué-Ville. C'est le monde qui travaille dans le département qui gagne. Donc, attendez-nous, c'est venir chita avec nous, venir bâtir plan de reconstruction commune avec nous. Moi c'est Daniel Ofekia, porte-parole parti politique Corinne, convention pour Fondation Nation, cap dirigé par sénateur Capier. Et Corinne sont entités, ensemble entités qui forment ou bien fondé secteur démocratique et populaire. Matin Corinne ensemble avec secteur démocratique et populaire,
vient déposer Jeff Flessa dans pied Papa Nation dans l'occasion de 163 ans depuis Papa Nation a pris naissance. Jeff Flessa a symbolisé qui ça pour nous, pour le secteur démocratique là. Il symbolise victoire, il symbolise gaieté, parce que le plus souvent nous fêtons la mort de Saline, mais nous ne pouvons jamais fêter la vie de Saline. Je dis à la journée nationale de Saline, Corinne vient fêter la vie de Saline. Pendant que nous venons fêter la vie de Saline, nous-mêmes, dans le secteur démocratique, là, nous venons demander de Saline force, nous venons demander le pouvoir, et nous venons demander tout inspiration. En tant qu'esprit, je dis à qui nous mettons nous, pour que de Saline réveille. Et pour Dessaline ba nous inspiration, pour Dessaline ba nous direction, pour que nous remettions le pays à son rail développement, pour que nous baillons le pays à l'autre direction par rapport avec Jean pays à là, pour que les Haïtiens finalement arrivent dans sa justice sociale. Là. Pour nous une société, côté tout le monde a la même chance, tout le monde a la même opportunité, pour nous arriver à craser le système baisé sous ça, ou bien le système d'exploitation. Tout puissant enraciné ça. C'est sous base ça qui fait aujourd'hui. Courir les secteurs démocratiques et populaires à présent pour le déposer Jeff Flessa dans le Papa Nation. Qui dernier position? Courir une convention pour la Fondation Nation. Qui dernier position courir sur la conjoncture là, malgré que nous connaissons, c'est pratiquement secteur démocratique tout. Courir une position claire, position courir, c'est position secteur démocratique et populaire. Et position courir, c'est qui s'allie. Position courir, c'est pour que l'accord politique courir en le secteur démocratique là, si, hein, pour arriver à mettre en application pour un gouvernement qui apaise et pour tout point qui est d'accord appliquer jusqu'à ce que nous arrivions dans le dernier point qui est la réalisation de l'élection pour que bien un monde que la population fait confiance pour prendre le pays pour le pays en l'autre direction. Nous avons des réactions par rapport à ce qui est dans le signature à quoi. Il y a des gens qui croient que le secteur démocratique a fait un sel avec l'opposition. Avec le pouvoir, nous avons mis en place là, avec là, donc comment nous avons une réaction ça, qui ça nous a dit de nous? Il y a toujours une réaction parce que c'est politique, mais réaction n'est pas venir. Mais celle sa population en connaît, le secteur démocratique et populaire, tu es bon côté, le bon côté, il est toujours bon côté. Nous avons fait une selle avec le pouvoir PHTK. Cependant, nous avons un carrefour spécial, nous avons un contexte spécial, nous c'est une période de transition que nous avons. Et si nous avons une période de transition, nous n'avons pas dans l'élection, il faut que nous préparions ça. C'est ça qui fait. Dessaline est arrivé dans un cas spécial. Il est arrivé dans une période spéciale. C'est sous base ça qu'il a fait accord. Noir pour foncé et noir pour clair. Noir pour foncé qui est représenté par Jean-Jacques Dessaline et noir pour clair qui est représenté par Alexandre Bétion. Merci.